Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas Chronique d'Inet TV. Merci, merci encore une fois. Merci à tous ceux qui partagent les vidéos. Merci à ceux qui mettent des likes, les j'aime sur les vidéos. Vous qui partagez les vidéos. Et aussi à ceux qui font des commentaires sur les vidéos. Je vous suis très reconnaissant. Merci également aux nouveaux abonnés à la chaîne ici. Je vous ai toujours dit, vous ne serez jamais, encore jamais déçus. Fais-moi confiance et soyez toujours là pour soutenir la chaîne ici. Moi, je serai toujours là pour vous donner les analyses organiques. À un moment donné, il faut accepter l'exploit de l'autre. À un moment donné, il faut déposer l'arme de la haine, de la guerre et cultivons la paix. Nous avions vu la photo de Fally Ipupa avec président Emmanuel Macron. Les gens ont beaucoup parlé. Ils ont dit que Fally, il est mativi. Il veut toujours se faire voir sur les réseaux sociaux par rapport aux autres. Aujourd'hui, on a vu Emmanuel Macron avec Fally Ipupa dans les quartiers, dans les banlieues de la capitale congolaise. Macron a la capacité et les valeurs d'être dans des palais présidentiels, dans les palais du peuple, partout où les présidents et les ministres s'aventurent. Même Fally Ipupa, le message qu'il a passé à Macron, si vous êtes intelligent, vous allez les comprendre par les actions, par les actes de Fally Ipupa. Oui, ce sont les actions qui ont parlé plus fort que les débats politiques de ces députés qui n'ont pas de sens dans la communauté congolaise. Fally a montré au président Macron que, à part les lumières que tu vois au palais du peuple, dans des palais présidentiels au Congo, nous avons la vérité, la véritable vie des peuples congolais ici dans la rue. Viens visiter les peuples congolais, viens visiter la vraie vie de la population congolaise. Un message clé. Si Macron vraiment est un homme intelligent, il a lui-même vu dans l'obscurité, il a vu l'obscurité de la population, il a vu comment la population se comporte et se porte. C'est ça la vraie vie, c'est ça la communication, c'est ça le message de Fally Ipupa au messier, au président de la République française. Il faut applaudir les actes et les actions valables de Fally Ipupa à ce point-ci. Fally peut avoir des problèmes avec ses enfants. Ça, j'ai toujours condamné cela. Mais quand il nous apporte quelque chose de bien, il faut applaudir les actions comme ça. Beaucoup de gens se tournent toujours contre Fally Ipupa. Ils sont toujours là contre Fally Ipupa. Que Fally fasse de bonnes choses ou de mauvaises choses, les gens sont toujours là pour critiquer Fally négativement. Mais quand même, si Fally, vous avez dit que Tokos 2, un âge, n'a pas marché bien, on n'a pas aimé ça. Mais alors, Formule 7. Formule 7 où il a dédicacé plus de 7 chansons à sa femme Selo Soccer, Nicky Menga. Seyo, Mayday. Et puis ce sont des rumbas de la qualité. Ce ne sont pas n'importe quelle chanson, s'il vous plaît. C'est la première fois que j'ai écouté, après 5 ans, j'ai écouté Fally Ipupa que je connaissais il y a 20 ans. Fally qui écoutait nos messages, mes conseils, mes cris. Mes crises alarmantes. Aujourd'hui, Fally nous a donné des chansons qui ont vraiment les chansons de valeur. Il a chanté avec âme. La chanson comme Mayday, Seyo, ce sont des chansons vraiment. Quand vous écoutez la chanson, quand vous voyez les lyrics, ça donne la qualité vraiment artistique de Fally Ipupa. Il ne faut pas nier toutes choses. Mais aujourd'hui, je parle de la présence de Macron aux côtés de Fally Ipupa.
l'homme de Makelele, l'homme de Bandal, l'homme qu'on a insulté, l'homme qui a à un moment donné porté des habits de chaque quartier de la capitale, mais aujourd'hui devenu symbole de la population, de la jeunesse congolaise. Selon vous, le peuple congolais, vous qui me regardez ici, parmi les artistes congolais d'aujourd'hui là, qui est le véritable messager de la population congolaise, surtout la jeunesse? Que ce soit de mauvaises chansons, que ce soit de bonnes chansons, mais qui vraiment divulgue des, qui est vraiment le leader de la génération, de la jeunesse congolaise aujourd'hui? On voit Fally Ipupa. Il y a Maître Gims, il y a Dadju, il y a Inosbi. Ce sont des gens qui sortent à l'extérieur et qui vendent la musique congolaise internationalement. Il y a 4 personnes. Ah, je dirais 5 avec notre frère Mombi. Il y a Fally, Maître Gims, Dadju, Inosbi, Mombi. Ce sont les 5 jeunes qui font la fierté de la musique congolaise sur le plan international. Maintenant, il y a les gens qui ne sont pas... Moi, Maître Gims a dit non. Il a des valeurs. Fally aussi devrait dire non. Mais le message que Fally a passé au peuple français, au gouvernement français, c'est un message fort. Voir Macron dans les quartiers périphériques de la capitale, c'est la première fois qu'on voit un musicien, un artiste musicien, encore congolais, qui prend ce courage d'affronter un président de la République française, un président européen, de l'amener dans les quartiers périphériques du Congo. Ça, c'est pas petit. Il faut donner de la valeur à Fally. Le message, le passage de ce monsieur, Emmanuel Macron, au Congo, surtout à Bandal. Bandal qui va symboliser la pauvreté de la population congolaise. Fally, au lieu qu'il puisse amener Macron dans un quartier luxe, dans des restaurants, soit des bars les plus chers, les plus luxueux de la capitale, il a préféré faire goûter le président français la vraie vie congolaise d'une façon, d'une manière banale. Fally a réussi le coup. Il faut féliciter puisque c'est un message qu'il a vraiment passé. Ce que le président ne peut même pas faire. Le ministre ne peut pas faire. Le ministre que nous connaissons au Congo. Et ils sont là pour amener, faire passer Macron au tapis rouge, dans des maisons, dans des voitures de luxe, dans des maisons bien équipées, bien aérées. Mais l'homme qui a compris qu'il a beaucoup parlé peut tuer. Parler comme les politiciens, ça ne va pas changer les choses. Parler comme les députés, ça ne va pas améliorer les choses. Il faut que le président français puisse venir vivre, qu'il puisse venir palper la misère de la population congolaise lui-même. Pas dans les parlements, pas dans des palais présidentiels, mais dans des quartiers où la population vit la vie réelle du Congo. Macron est parti, il a goûté la vie du peuple congolais. Il a goûté la vie sociale du peuple congolais. Lui, il a vu ce qui manque au peuple congolais. S'il a vraiment besoin de changer le Congo, de donner un coup de pouce au gouvernement congolais, quand même, il a vu ce que le peuple congolais traverse. Il a vu la douleur du peuple congolais la nuit où il a passé à Bandal avec Fally Ipupa. Félicitons Fally. Vous allez nier tous les œuvres, tous les efforts de Fally. À un moment donné, il faut dire ceci. Chaque génération a son influenceur. Chaque génération a son leader. À un moment donné, il y avait Papa Wemba. On est passé par Koffi Olomide. On a eu Wera Son. Aujourd'hui, on a Fally Ipupa. Je pense que demain, ça sera Inosbi. Donnez du temps au temps. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, c'est le temps de Fally. On va le combattre quand il va toujours déshonorer les affaires sur les réseaux sociaux. On va le combattre. Mais quand il amène quelque chose de bien pour la population congolaise, on doit applaudir Fally Ipupa.
N'est-ce pas Céphalie qui a dit qu'il va construire à Bandal un hôpital, pardon. Et s'il construisait l'hôpital là, donnez-moi un exemple d'un musicien, un musicien, des musiciens qui sont passés avant Fallu, ceux qui ont construit même un hôpital, même un petit dispensaire. Il n'y en a pas. Mais si Fallu se donne le temps, le courage de construire, pas un dispensaire, mais même pas un clinique, mais un hôpital. Mais il faut l'applaudir. Ce sont des œuvres à applaudir. Moi, je vais applaudir ça. Si tu ne veux pas écouter de telles analyses, de telles émissions, tu es libre de te déplacer. Moi, je vais supporter les actions valables pour sauvegarder la valeur congolaise. De la même façon, j'ai toujours valorisé les œuvres de Nicki Minaj à Barcelone quand elle va au secours des orphelins congolais. Une femme qui est seulement comme ça, qui n'a même pas d'argent, mais elle se donne corps et âme pour supporter une population délaissée. Je dois applaudir. Il y a les gens qui incitent la dame là. Moi, je ne vois pas la femme là de l'angle de la cité. Moi, je l'encourage, je la félicite, puisqu'elle sauve la vie des peuples congolais. S'il fallait va le faire, il va sauver la vie aussi du peuple congolais. Pourquoi m'en vouloir de Fally? Je pense que la vidéo vous a fait plaisir. Vous qui êtes en France, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, aux pays scandinaves, à passage, je vous dis tous bonjour et bonsoir. En Afrique, partout, même les gens qui n'aiment même pas, partout, je vous aime trop. Ici au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Chine, je vous aime trop. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé le contenu de la vidéo ici, partagez-la, commentez, aimez la vidéo. Si vous êtes encore nouveau, pas encore abonné à la chaîne ici, il est temps, encore il est temps de vous abonner à la chaîne ici du Chronique de Net TV. Ce sont des analyses pareilles, avec ce sont les analyses pareilles que je vous amène. Surtout, les gens qui ont besoin de s'éduquer, de mettre à jour leur façon de vivre, de penser, surtout les gens qui veulent s'aventurer, de venir au Canada, de partir au Canada. J'ai fait des analyses vraiment, les points de vie, la vie au Canada, les études étudier au Canada, travailler au Canada. Comment faire les démarches? J'ai fait toutes les vidéos pareilles dans la chaîne ici. Vous êtes censé, vous êtes prié aussi à vous abonner si vous aimez de telles vidéos et à activer la cloche de notification puisque à chaque fois que je fasse de telles vidéos, vous soyez parmi les premiers à visionner les vidéos. Je suis pour vous, je vous aime trop. À la